Lignes de haute tension, téléphonie mobile, antennes relais, Wi-Fi, WiMAX font désormais partie de notre vie quotidienne. L'ensemble de ces appareils génère des rayonnements électromagnétiques qui forment ce que l'on appelle l'électrosmog ou brouillard électromagnétique. Depuis 30 ans, cette pollution électromagnétique ne cesse de croître. Certains, comme Pierre Leruse, physiologiste, expert européen en radiation électromagnétique, s'inquiètent des effets nocifs de cette pollution sur notre santé. Cette inquiétude est-elle justifiée? Pourquoi serions-nous sensibles aux ondes électromagnétiques? Nous nous trouvons là devant le grand pylône de télédiffusion de France où on voit bien que il y a toutes sortes d'antennes de radiodiffusion, de télédiffusion. On voit très bien des antennes qui font fonctionner la téléphonie mobile du 900 MHz, du 1800, de l'UMTS, mais aussi des antennes qui font de la télédiffusion. Il y a des systèmes hertziens de communication et de télécommunication. Le problème, c'est que si on regarde le site, sur la droite, vous avez des maisons qui sont fortement impactées par la téléphonie mobile. Sur la gauche, vous avez le Théâtre National de Bretagne qui lui aussi est impacté. Il y a des maisons qui sont impactées à l'arrière et surtout devant nous, vous avez un lycée qui est complètement impacté par ces rayonnements électromagnétiques dus à la télédiffusion et la radiodiffusion. Ici, vous avez un pylône où il y a pratiquement toutes sortes d'antennes de télécommunication. On voit des bibandes 900, 1800, on voit de l'UMTS, on voit qu'il y a des constructions juste à côté, mais on voit aussi qu'il y a un immeuble qui est complètement impacté sur un des balcons, pratiquement au dernier étage, on a pu trouver 4 volts par mètre quand même. Donc ça me semble être une zone atypique complètement, et sur le plan esthétique, et sur le plan de l'exposition pour les gens qui habitent dans les environs. Le Bureau international du travail, dès 1980, disait, attention, les champs électromagnétiques hyperfréquences, c'est-à-dire la téléphonie mobile et autres, sont dangereuses pour la santé humaine. Alors bien sûr, dans certaines conditions, avec une certaine exposition et avec un certain temps. Alors quel est l'effet? Eh bien on a remarqué dans les études militaires que si on a un champ qui envoie une onde qui est de type continu, eh bien l'effet est relativement faible par rapport à la biologie. Par contre, si on voit une onde qui est pulsée, c'est-à-dire par paquet, et surtout avec une crête, c'est-à-dire le front d'onde, c'est-à-dire l'onde qui part, et là, une pointe. Et ensuite, il y a un arrêt, puis il y a un autre paquet d'ondes qui passe avec une pointe. Et c'est la pointe qui est dangereuse, et pour les appareils électriques et électroniques, parce que cette crête ou cette pointe dérègle le système électrique et électronique des appareils, mais dérègle aussi le système électrochimique des cellules, puisque c'est la pointe qui vient dérégler le système. Alors, si la cellule arrive à s'adapter, eh bien, elle récupère, mais si on est continuellement en train de la stresser avec ce système dit pulsé, eh bien, la cellule ne récupère pas, et même, elle ne va même plus pouvoir s'autodétruire alors qu'elle est en situation de difficulté. Bien là, on est en position avec un appareil qui s'appelle un spectre, qui permet de mesurer l'énergie dégagée par les activités de téléphonie mobile, par exemple, et de voir un petit peu comment fonctionnent d'autres appareils comme des systèmes Wi-Fi,
le téléphone portable éventuellement ou ce qu'on appelle le DECT, c'est-à-dire le téléphone sans fil. Là, il y a un système Wi-Fi. Pour l'instant, il n'est pas activé. Sur mon ordinateur, je vais aller lui demander de faire des recherches pour voir si j'ai reçu des messages. Voilà, c'est parti. Et on va voir comment ça va évoluer. Voilà, tac, vous avez vu, le pic a monté brutalement. Et on est pratiquement monté à 0,7 volts par mètre. On va voir si il nous récupère un certain nombre de messages. Et on va voir si ça augmente encore. Bon, bah, ça y est, il a grimpé pratiquement d'un volt encore. Donc là, on est à pratiquement 2 volts. Donc ce n'est pas anodin. Là, il y a un téléphone DECT. Voilà, tac, vous avez vu, le pic est apparu. Et c'est un DECT, c'est un téléphone sans fil. Et le pic est relativement important. Je vais le rapprocher. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Et ça monte encore. On approche pratiquement d'1,4 et on va voir que ça va évoluer petit à petit. On va passer à 2,5 volts par mètre. Donc en brut, on a entre 4 et 5 volts par mètre quand même. Si on se rapporte au rapport Tamino, qui est le rapport du Parlement européen, il est clair que tout globalement, tout compris, lui, il préconise un volt par mètre. Donc on est largement au-dessus. Et pour le portable, c'est exactement la même chose. L'autre chose qu'on peut faire pour le portable, parce que pour celui-là encore, on n'a pas d'indication sur le DAS, c'est-à-dire le nombre de watts par kilo que vous recevez dans la tête. On imagine que le cerveau fasse 1 kilo. On reçoit une puissance, c'est-à-dire en watts, donc un échauffement. Et alors, ceux qui ont des DAS faibles, c'est parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, qu'il y a des systèmes de protection avec, si vous voulez, des systèmes absorbants, et que c'est de la qualité. Sauf que quand même, au Grenelle des antennes, et en particulier l'AFSET, qui est l'Agence française de sécurité sur la santé, l'environnement et le travail, ont recommandé clairement d'abaisser les DAS le plus possible et de vendre du matériel de qualité. Il y a les portables qui émettent 50 volts par mètre. Alors si vous l'avez contre l'oreille, bon, c'est pas très, très agréable. Si vous l'utilisez dans votre voiture, il va émettre 100 volts par mètre parce qu'il cherche à faire sortir ses rayonnements. Et comme il est dans une caisse en ferraille, c'est-à-dire une caisse de Faraday, il a du mal à sortir. Dans les trains, dans le métro, dans le bus, c'est pas recommandé. Et alors, il y a un petit problème aussi avec le portable. Si on prend son portable et qu'on le rapproche, vous voyez, de mes lunettes, vous avez des beaux cercles. Eh bien, ça fait du courant induit dans les parties métalliques. Donc, l'œil est atteint aussi. On appelle ça l'effet Zaret. Et ça peut aller jusqu'à la cataracte. C'est décrit dans la littérature. Là, vous avez les rapports sur le dessus, le fameux rapport Bioinitiative qui a été publié en 2002, dont on peut dire quelques mots. Hein. Si on prend ce rapport, on voit tout de suite que c'est un rapport américain. C'est une méta-étude. Il y a plus de 2000 études scientifiques qui ont été passées au crible. C'est sur cette base de rapport que, si vous voulez, le Parlement européen a mis en place deux résolutions en 2008 et en 2009. Disant quoi ? Disant que, bien tout simplement, les normes actuelles étaient complètement obsolètes. Pourquoi ? Bien parce que dans ce rapport, si on regarde le résumé, vous allez voir que c'est quand même un rapport qui est relativement important, parce qu'il parle bien sûr de beaucoup de choses. Il parle de la normalisation, il parle de la génotoxicité, c'est-à-dire les problèmes qu'il y a avec les ruptures de brins d'ADN qui sont démontrés, qui parle des cellules et du stress, c'est-à-dire les fameuses protéines de stress, qui parle des tumeurs cérébrales, des neurinomes acoustiques, c'est-à-dire des tumeurs du nerf acoustique, qui parlent de la mélatonine, de la maladie d'Alzheimer, des travaux qui ont été faits chez l'animal. Donc, si vous voulez, ce rapport est très complet. Il met en évidence quoi ? Il met en évidence au moins deux choses. Première chose, c'est que par rapport, si vous voulez, à la téléphonie mobile et aux antennes, il y a clairement des effets sur la cellule et des effets sur trois types de cancers, à savoir les cancers du cerveau, qu'on appelle les gliomes, les lymphomes et la leucémie. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Europe dit qu'on a des preuves et que
eh bien, il faut revoir toutes les normes. Et c'est ça qu'il dit ce rapport. Et c'est pour ça qu'il est important. Et c'est pour ça qu'il a été très critiqué, bien évidemment. Et aujourd'hui, si vous voulez, si on laisse faire, si on dérape, si on fait comme pour l'amiante, ben, ça va être un scandale sanitaire qui arrive dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, on verra bien. Mais à mon sens, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On est au courant depuis très longtemps. Aujourd'hui, on s'inquiète que les ondes électromagnétiques, dites artificielles, soient la cause de nombreuses maladies chez l'homme. Or, les ondes électromagnétiques ne sont pas seulement émises par les appareils électriques. En effet, l'homme, la nature, la Terre, tout notre environnement baigne dans des champs électromagnétiques naturels. Mais quel rôle ces ondes ont-elles sur les mécanismes du vivant? Peut-on envisager qu'elles puissent être bénéfiques? On arrive à 0,480 volts, donc 480 millivolts. Donc, et ça simplement sur 20 cm. Hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça c'est une petite expérience qui montre que la vie est plus que simplement de la chimie, c'est aussi l'électricité, du magnétisme et tout ça. J'ai décidé de faire ingénieur agronome et là je me suis rendu compte que on apprenait surtout à utiliser des produits chimiques. En Belgique, on nous apprend après chaque pluie, on pulvérise avec des antifongiques, des produits chimiques. Et comme en Belgique, il peut parfois pleuvoir toutes les semaines, ça fait beaucoup de traitements. Donc du coup, je me suis intéressé à toutes les techniques alternatives et dont par exemple l'influence de la musique sur les plantes. Donc j'ai fait une expérience dans la serre de l'université de Gand, en Belgique, où j'ai stimulé certaines protéines qui stimulent la croissance avec certaines fréquences sonores. Donc avant le traitement, ces rosiers étaient vraiment malades et il avait toutes des feuilles comme ça, vraiment en très mauvais état, à moitié jaune, taché. Et après un mois, c'était comme ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est avant, disons. Ah, c'est un peu extrême. Hein. Après un mois, donc... c'était vraiment impressionnant. Ce sont des musiques très spéciales, c'est des sons, c'est des fréquences qui sont conçues en fonction des protéines et des gènes qu'on veut stimuler. C'est une sorte de ondes de résonance. Ça va entrer en résonance avec ce processus de biosynthèse des protéines. Donc j'ai fait toute une étude bibliographique de tout ce qui existait dans le monde ou ce que j'ai trouvé sur l'influence de fréquences sonores sur les plantes. Et là, un jour, dans un article, j'ai lu que le son, ce n'est pas qu'une vibration mécanique, c'est aussi une onde électromagnétique. Il y a des aspects électromagnétiques dans la vibration du son. Et donc, du coup, j'ai fait ce mémoire de fin d'études. J'ai eu comme ça mon diplôme d'ingénieur agronome. Voilà. Et donc, après... Je me suis aussi intéressé aux recherches de Lakowski. Ça va dans le même sens. Lui, il a écrit un livre, L'oscillation cellulaire. Et Lakowski, lui, part du principe que les cellules, c'est comme un circuit électronique. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, ben voilà, quand des cellules sont malades, ben, les fréquences, ça doit changer ou l'émission doit s'affaiblir. Je peux peut-être interagir en envoyant d'autres fréquences. Donc là, il a plusieurs pots avec des géraniums. Et il a inoculé ces géraniums avec une souche de cancer. Ils ont tous développé des cancers. Et après, autour d'un géranium, il a mis une antenne. Ça crée donc un champ magnétique autour et qui va interagir avec les fréquences de la plante. Et donc, du coup, là, on voit que la plante, où il a mis l'antenne, ils guérissent. Et les autres, où il ne met pas l'antenne, ils ne guérissent pas, ils meurent. Et donc, du coup, j'ai aussi expérimenté ça sur des plants de lilas, des arbustes, des différentes plantes. Et j'ai toujours eu des bons résultats.
C'est quand même en France un des premiers pays où ils ont fait une recherche officielle, on pourrait dire, hein, une thèse sur l'influence de l'électricité ou de l'électroculture, on appelle ça. Moi, je prends comme ça au hasard. Hein. Les plantes électrocultivées, donc la menthe électrocultivée, ben, ils ont tous une teneur en huile essentielle beaucoup plus élevée. Par exemple, 1,5% le témoin, 2,5% le traité électrocultivé. Donc la plante est plus grande et tout, mais elle est aussi plus dense, elle a plus de matière active. En agriculture, on est resté encore toujours aux produits chimiques, produits. Et qu'on peut aussi utiliser les propriétés électriques et magnétiques. Donc là, ça c'est un gros aimant que j'ai enveloppé de cire d'abeille. Et après, j'ai créé une antenne aussi qui fait cette spire. Et donc l'idée là, c'est de capter des ondes qui nous entourent. Et par la construction de ce condensateur, d'amplifier ces ondes et de les filtrer aussi. D'améliorer les qualités par la cire d'abeille et le champ magnétique et le cuivre et de réémettre dans le champ. Donc ici, on se retrouve dans un champ de pommes de terre. Il y a 16 condensateurs installés sur tout le champ qui fait environ 1 hectare et demi. Donc on place le sud magnétique du condensateur vers le sud de la terre. Donc je l'installe comme ça à 30 à 50 cm, enterré à 30 à 50 cm. Donc comme ça, j'en ai mis sur tout le champ 16. Quand on les place dans le sens horaire et à la fin, j'en place un tout au milieu. Il y en a un qui est installé dans ce sens, donc à l'horizontale, pour justement faire le lien avec les vibrations cosmiques. Ils vont capter les ondes et en même temps amplifier, les réémettre. Et si on met par exemple de l'argile blanche, ici j'ai mis de l'argile blanche par exemple, la kaolinite, qui est composée de tous les oligo-éléments, et donc ça va réémettre aussi toutes les vibrations de tous ces oligo-éléments. Les premiers appareils que j'ai fait comme ça, c'était l'année passée, en 2009. Et j'ai fait ça sur un champ de choux. Et les choux, avant, ils étaient toujours entre 2-3 kilos comme ça. Et après un an, donc après la saison où j'ai mis ça, les choux, ils étaient entre 6 et 9 kilos. Tout le champ, c'était vraiment impressionnant. C'était des gros choux, mais qui étaient en biodynamie, pas conventionnelle, donc sans produits chimiques, sans engrais chimiques, juste un peu de compost et c'est tout. Je suis convaincu qu'il y a aussi un tas d'informations qui circulent dans le champ magnétique terrestre, qui est porteur de ça. En résonance avec les autres planètes, avec les astres peut-être, avec tout ce qui entoure la Terre et tout ce qui se passe sur la Terre. Les recherches comme celles menées par Georges Lakowski se base sur l'idée que la cellule est l'équivalent d'un circuit électronique qui émet et capte des ondes électromagnétiques. Inspiré par ces recherches, le biophysicien Fritz Popp, directeur de l'Institut de biophysique de Neuss en Allemagne, a découvert que les organismes vivants émettent aussi des ondes électromagnétiques sous forme de lumière, qu'on appelle des biophotons. Aujourd'hui, des scientifiques comme Roland van Wirk poursuivent ces recherches et sont capables de mesurer ces biophotons. In the biophoton experiments, we are always interested in living organisms and how they are able to change the properties of light. And that is what the photo multiplier device is doing.
Here we will perform a few measurements with this photomultiplier equipment, which is built in two parts, a small chamber where we can put the product, and on top of the chamber is a photomultiplier tube which can record the photon emission. To measure photon emission, we have to illuminate the product inside this small chamber. Then there is a shutter between this chamber and the photomultiplier, which will open after the illumination, and then this counting of the own light, the biophoton emission, will take place. So I put now the product in here and close this door, and now we can do the whole measurement. And now the measurement starts. So this is the light emission from the product. The product is a green leaf. So it has a very high light emission, and it's because of the chlorophyll in the leaf. Okay, so we can look now at the results from our measurements of the healthy and the diseased leaves. And in fact, what is important is that the healthy product is the highest curve of these. And it is important to see that this production of photons is slowly decreasing. Here it goes a little bit more rapid. Now, if we look at the diseased system, it is the yellow system, then it is not only less, it is more than 10 times less, but also the slope which the light is emitted is much faster. It means that this diseased state is less able to store this emission. What about the kind of applications? Many people are collecting data about the possibility to distinguish the state of ripeness, or how to predict the lifetime of fruits. So more and more people are working in this field. In this device, we measure the photon emission of the hands. These tubes are extremely sensitive for measuring human photon emission, and they also cut off at 650 nanometers, so that we have no involvement of heat, so that we're sure we're measuring photon emission. So I will start the measurement now. So what you will see here on the screen, you see two lines, red and a white line. The red line represents the left photomultiplier tube, the signal from the left photomultiplier tube, which is measuring the left hand. The right tube is represented by the white line and is measuring the right hand. And you see that in his case, there is nice balance between the left and the right hand. That means that the photon emission from both hands are more or less the same, which we find in healthy persons. Non-healthy persons are characterized by a disbalance between left and right. And you see at this moment it is about 30 counts per second, and then it suddenly drops to 6 counts per second. That means that, well, that implies that this signal is extremely oscillating, and getting information about the oscillating characteristics of the signal is also a way of getting information about the state of being of the person, so healthy or not healthy. Okay, so the measurement is finished now. I will save it. Well, I started to work in the institute in Noors, where Frits Pop is working, around 2000, and then we had a big project in which we measured meditators, people who were meditating already for a long time. And the hypothesis
was that people who meditate, they will come in a more relaxed, more coherent state, and that might be reflected in photon emission. And you could indeed see, and it is published in a couple of papers, that there is a decrease in photon emission when people meditate. So meditation has an influence on photon emission. In that time, we also learned a lot whole body measurements. We found that some parts of the body emit a lot of light, other parts emit less light. For example, the abdomen and the thorax, they emit less light, and the hands and the head, they emit a lot of light. And especially these places where you find the high emission was also decreased in people who were meditating. Well, there is another thing, and that is this cell is all the time also producing light. A very low amount, but it is producing light. And that light has its specific properties. So does it emit from the cell and influence another cell? So is there any cell communication? If we have normal cells or we have diseased cells, do they influence each other differently? And you see that cells which are disturbed, they show this in this own light emission differently, and cell communication will be then also different. But that is one of the major topics of research today. There is a very strong coupling between life and light. Yes. And I think that is also the thinking behind all these developments for using it in medicine. En travaillant sur les biophotons, Fritz Popp a également découvert que les plantes possèdent des systèmes de méridiens qui acheminent l'énergie lumineuse. Il a émis l'hypothèse qu'un système de ce type existe chez les êtres humains, qui n'est pas sans rappeler les méridiens dans l'acupuncture chinoise et d'autres médecines dites énergétiques. Das ist eine Aufnahme mit Fotopapier, das heißt, es muss im Dunkeln passieren. Wir haben gute Dunkellichtleuchten. Ich mache das Licht aus, lege hier ein Fotopapier hin. Sie müssen Ihre Fingerspitzen drauflegen, anschließend die Füße. Okay? Dann mache ich das Licht aus. Achtung. Gut. Okay? Also wie immer möchte ich zuerst das Bild Ihnen erklären und festlegen, welche Problematik dahinter steckt. Wir haben drei Ebenen, die man auf den ersten Blick sieht. Das ist einmal das Kopffeld, das unter Spannung steht. Zweitens, daraus resultiert durch die Leere hier eine Rhythmusstörung innerhalb des Schlafes, also der Schlaf ist nicht rhythmisch. Und drittens, durch die Schwäche, die sich hier zeigt, ist das hormonelle System insgesamt, besonders das, was von oben gesteuert wird, in Probleme. Und wir wollen hier versuchen, erstens einen Ausgleich zu bringen und zweitens eben das, was hormonell in der schlechten Bewegung ist, wieder in Bewegung zu setzen und schauen dann, wie sind Ihre Beschwerden, beziehungsweise wie ist diese Phänomenologie. So, ich behandle meine vier Punkte jetzt an der Stirn. Und jetzt werden die Punkte mit Licht behandelt. Alles in Ordnung? Ja. 82 habe ich sehr intensiv mit Professor Popp angefangen. Wir haben die Kristalle getestet, wir haben das Licht getestet. Wir haben durch seine Methoden der Biophotonenforschung konnten wir sehen, dass das eine Realität ist. Das heißt, dass vom Körper eines Menschen in der Tat verstärkte Biophotonen-Emissionen möglich sind. Und wir experimentierten dann mit großen Folien, mit großem Licht, was aber zur Folge hatte, dass das sehr lange dauerte. Und so kam die Farbpunktur ins Spiel, die wir heute benutzen. Und wenn ich das mal zeigen darf, wir haben hier
ein Glas entwickelt, das einen exakten Schliff hat und damit eine kohärente Therapie möglich macht. Eine Therapie mit kohärentem Licht. Das war auch der Beginn einer Zusammenarbeit mit Fritz Popp. Und jetzt wissen wir, dass dieses Licht, das wir früher geglaubt haben, dass es durch den Körper geht, das durchdringt den Körper nicht, sondern es reitet auf einer Basis, auf einem Hologramm, auf Energiebahnen, wie es die Akupunktur ja auch sagt. Wir können das Licht auf den Akupunkturpunkt oder diese neu gefundenen Zonen von uns, können wir dann therapeutisch unmittelbar und nicht in Minuten, sondern in Sekunden. Wir bestrahlen pro Punkt 10 bis 20 Sekunden, mehr nicht. Weil das reicht ja aus, weil Lichtgeschwindigkeit, also das muss dann schon von dieser Seite auch betrachtet werden. Gut, dann bleibe ich noch einen Moment liegen. Das Zweite war dann, wir beobachteten, dass das Licht gut ist und dass wir auch Regulationen haben, aber bei vielen Patienten ging es nur bis zu einem gewissen Grad. Dann hörte das auf. Wir konnten nicht die tiefen Beschwerden beeinflussen. Und dann kam die Idee, dass man das mit Gehirnwellen macht, weil wir wussten, dass jeder Schmerz eine Bewusstseinssache ist. Also eine Sache des individuellen Bewusstseins. Und dieses individuelle Bewusstsein wird ja gebildet in unserem Gehirn durch den Thalamus, so nennt sich das, Seehügel. Und dieser Thalamus, dort entstehen auch diese Hirnwellen. Und wir experimentierten über Punkte wieder, diese Wellen abzufahren, also Beta-Wellen, Alpha-Wellen und so weiter. Und das war ein zweiter Durchbruch, die dann dazu führte, dass wir in dieser Topographie, die wir ja erstellt hatten, körperlich, plötzlich seelische oder psychische Phänomene fanden oder Phänomenologien, die darauf hinwiesen, dass dieser Mensch eben nicht in seinem Körper primär erkrankt ist, sondern mehr aus dem psychischen Bereich heraus sich diese körperliche Krankheit entwickelt hat. Das kann ich mal schauen. Schauen wir mal, was hier los ist. Genau. Dankeschön. Also, wir haben eine Therapie gemacht nach der Phänomenologie dieses ersten Bildes, um zu erfahren, ist es möglich, etwas zu befreien. Mhm. Und nach diesem Kontrollbild, und das sieht man ja sehr deutlich, die Füße sind wieder da, das Ganze ist stärker, ist ausgeglichen, wenn man das hier sieht, dann bedeutet das, dass das Gehirn darauf geantwortet hat. Die Frage ist jetzt, wie fühlen Sie das jetzt im Kopf? Sie hatten den Druck im Kopf, Sie hatten Kopfschmerzen. Wie ist das jetzt? Also ist etwas erleichtert. Erleichtert. Der Druck ist erleichtert und man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in der nächsten Stunde sich abbauen wird. Mhm. Und wir würde sagen, dass man sich in 8 Tagen wiederzieht, um ein neues Bild zu machen und zu sehen, wo Sie dann stehen. Okay? Richten, wie ich schlafe, ja, genau. Jusqu'à présent, l'approche de la maladie, telle que l'Académie de médecine l'a définie, est une suite de réactions biochimiques. Des chercheurs comme Georges Lakowski ou dernièrement Fritz Popp proposent une approche biophysique dans laquelle les échanges électromagnétiques seraient au cœur de ce nouveau champ d'investigation. L'objectif étant toujours une meilleure compréhension du fonctionnement de l'humain. Ce modèle-là s'appuie sur l'idée majeure que les organismes vivants baigne dans un environnement où ils puisent les informations nécessaires à leur organisation profonde. Et dans ces organismes, des informations de type électromagnétique circulent et assurent la coordination et la gestion des fonctions génétiques et métaboliques. L'ensemble des organismes vivants peut être considéré comme des antennes capables de capter et d'émettre des ondes de différentes natures. Avec la biophysique, s'ouvrent alors de nouvelles perspectives de méthodes thérapeutiques. Le professeur allemand Franz Morell, docteur en médecine et acupuncteur, a fait construire un appareil électromagnétique par l'ingénieur Eric Rasche, capable de recueillir les vibrations de l'organisme humain au moyen d'une électrode. Cet appareil, appelé MORA, a pour fonction d'éliminer les oscillations pathologiques et de renforcer les oscillations physiologiques chez l'homme. On va regarder au niveau de la caméra GDV, vous connaissez ça? Non, je ne la connais pas.
Donc ça permet d'enregistrer aussi les champs électromagnétiques, mais d'une autre façon, d'un point de vue visuel. On va voir tout votre champ électromagnétique sur une image. Ah, intéressant. Ça fait du diagnostic, mais ça ne fait pas du traitement comme la mora. Et après, on fait la mora. Hein, d'accord. Oui, oui. Vous voyez, c'est là, au milieu ici. Ah, c'est au milieu, voilà. Bien sûr. C'est bon. Ok, on continue. Alors, voilà, donc ça c'est vous. Moi. C'est apparenté à l'effet qui est rien. Tout à fait. Donc là, il y a ce gros défect énergétique, puisque le bleu, normalement, doit se continuer tout le long du corps. Et là, on voit qu'il y a vraiment un trou. Donc l'énergie, là, elle est absente. Oui, madame, nous avons mis en évidence que j'avais du mercure. Je le savais, je l'ai fait analyser. Je suis normalement 20% au-delà du commun des mortels. C'est de la statistique nationale. Mais elle a trouvé notamment qu'il y avait du plomb qui était emmagasiné. Bien figurez-vous que ce plomb est emmagasiné depuis 70 ans. J'ai travaillé comme mécanicien d'aviation entre 1936 et 1940. Après, je suis passé à l'électronique, télécommunication, c'est pour ça que je connais bien le système en général. Donc, terminé pour le plomb. Ben, ce plomb était emmagasiné depuis 70 ans. On va rechecker un petit peu tous vos points d'acupuncture aujourd'hui, oui. Pour voir si tout est bien. Si puis après, voulez. On revérifiera le mercure, le plomb. Donc là, c'est le point des lymphatiques. Là, c'est le point poumon. Donc là, on va au gros intestin. Donc là, tous ces points autour de 50, ils sont bien, hein. C'est normal. C'est pas mal du tout, hein, pour l'instant. C'est bon. Le système Mora, c'est un mélange d'acupuncture, d'homéopathie, puisqu'on teste tous les points au niveau des pointings d'acupuncture. Et il existe une différence de potentiel électrique, mais il existe aussi des fréquences électromagnétiques au niveau de ces points que l'appareil Mora peut détecter et corriger. Donc on peut faire la différence entre une fréquence dite harmonieuse ou disharmonieuse avec l'appareil Mora et en même temps l'influence d'un élément extérieur sur la propre fréquence du patient. Par exemple, une femme qui a pris la pilule pendant 10 ans et ça fait 10 ans qu'elle a arrêté la pilule, on peut encore trouver que la pilule l'influence, on va dire, négativement. Puisque c'est basé aussi sur la mémoire de l'eau, la mémoire cellulaire, l'empreinte que peut laisser toute molécule sur le corps. Et c'est à ce niveau-là qu'on travaille, c'est pas au niveau de la molécule physique en elle-même, c'est plus au niveau de l'empreinte énergétique de cet élément qui perturbe la personne. Au niveau, par exemple, des métaux lourds, au niveau de détection des vaccins qui pourraient perturber au niveau électromagnétique, qui permet également de voir s'il y a des intolérances alimentaires qui ne sont pas forcément détectées d'ailleurs aux analyses de sang, puisque j'ai fait des tests en dosant des IgG, par exemple anti-gliadine pour l'intolérance au gluten, où on ne trouvait rien du tout, la normalité. Et en testant avec la Mora, on voyait qu'il y avait un problème avec le gluten, notamment chez les enfants, qui, en supprimant le gluten, n'avait plus d'eczéma, alors que les tests sanguins étaient normaux. Donc c'est un moyen énergétique de prévenir, voire de guérir parfois certaines maladies, en sachant qu'il faut rester prudent quand même sur le terme de guérir, mais je préfère parler de prévention et une amélioration de la fonctionnalité du corps au niveau énergétique. Elle est où votre cicatrice ? Elle est là, ouais, ça se voit. Donc l'énergie, elle passe moins bien. Donc là, on va mettre un programme spécial pour améliorer l'état énergétique des cicatrices. Donc là, on envoie des fréquences qui vont corriger la cicatrice. Voilà.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va retester le mercure, le plomb. Donc là, on envoie la fréquence du mercure et on teste. Donc, on voit que le point de 47, il passe à 46. Donc, le mercure, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Alors, par contre, le plomb, c'est pas encore réglé. On teste la bonne inversion de fréquence jusqu'à ce qu'on trouve celle qui corrige le point. Voilà. Là, ce qui vous corrige, c'est 0,3. Donc, on était à 2 la dernière fois. Donc, il n'y a presque plus rien. Hein, c'est des traces. Donc là, maintenant, je vais vous envoyer cette fréquence. On envoie simplement la fréquence inversée du plomb à 0,3. Ce qu'il corrigeait la dernière fois, c'était le coefficient 2. La fois précédente, c'était le coefficient 5. Donc là, maintenant, on arrive à 0,3. Donc, c'est presque... c'est fini, quoi. Et le mercure, la dernière fois, ce qu'il corrigeait, c'était le coefficient 4. Et là, c'est terminé. Donc, le mercure, par contre, ça a été plus vite que le plomb. Alors, donc on va vérifier que c'est bien. Donc voilà, c'est bien. Il est même surcorrigé, mais c'est pas grave, puisqu'on l'a fait exprès. Alors, on retourne à la caméra GDV. On va vérifier. Alors... alors, donc vous voyez, ça s'est rempli ici, c'est corrigé au niveau de... vous souvenez le trou qu'il y avait ici ? La bouche et les trous. Bon, c'est pas parfait, mais il y a eu du travail de fait quand même. J'ai deux livres, un livre du professeur Le Prince Ringuet, un livre de Lakowski, des livres de 1926. Figurez-vous, dans lequel ils exposaient notamment le fonctionnement électromagnétique de la cellule humaine. Ils ont exposé cela à l'époque. Et ils ont fait, j'ai les schémas des premiers montages électroniques qu'ils ont fait. Quand ils ont exposé ça, notamment à l'Académie de médecine et autres, ils se sont fait conspuer. Mais de quoi se mêlent-ils, ces gens-là, les physiciens qui se mêlent de médecine? Et encore, il proposerait de guérir les gens avec leur matériel. Voilà la conclusion de la médecine, et elle n'a pas changé. Lakowski est né à Minsk en Russie et puis il y a passé un certain nombre d'années et ensuite il a décidé d'émigrer en France où il a été naturalisé français. C'était donc un ingénieur des ponts et chaussées qui a inventé un tire-fond. Le tire-fond, c'est une vis qui sert à fixer les rails des voies ferrées. Donc on voit une formation au départ, une formation scientifique et puis une certaine curiosité qui l'a poussé à faire des études sur les effets des ondes vitales sur les pigeons. Donc les pigeons qui étaient désorientés par les antennes émetteurs de radiotélégraphie. Donc ça a été vraiment le point de départ de ce qu'on appelle le concept d'oscillation cellulaire. Donc en 1923, Georges Lakowski part du principe que la cellule est un système émetteur-récepteur comparable au système de radiodiffusion. Donc dans ce système, pour lui, les filaments conducteurs, ce sont les chromosomes et les chondriomes. Ces systèmes conducteurs sont en résonance avec les champs de force externes à l'être humain. La cellule vibre et la cellule est dialogue avec l'extérieur. Donc partant de ce principe, il est parti sur l'idée de l'oscillateur à ondes multiples. C'est un appareil qui émet des fréquences électromagnétiques. Donc on a un système de deux antennes, une antenne émettrice, une antenne réceptrice. Et en fait, on est pris en sandwich entre les deux antennes et donc on reçoit cette soupe d'émission qui se situe entre 75 000 Hz et 8 GHz. Donc, Georges Lakowski a utilisé l'oscillateur à ondes multiples pour guérir de nombreux cancers,
chez les animaux, chez les êtres humains et chez les végétaux. Il a soigné beaucoup de cancers de la peau, de l'hypotension, des inflammations chroniques, des ulcères au niveau des jambes, neurasthénie, névralgie, les otites, les paraplégies, les prostatites, les rhumatismes articulaires, le système nerveux sympathique, la tuberculose pulmonaire, les ulcères et l'urémie. Ici, la cellule comprend les fréquences électromagnétiques de l'oscillateur Lakowski parce qu'il y a les métaux qui interfèrent et puis donc la résonance avec les planètes, la résonance avec le cosmos. C'est ça la différence fondamentale. C'est un appareil donc qui est revitaliseur parce qu'il nous remet en résonance avec nos propres fréquences d'origine liées à l'univers, aux planètes. La photographie énergétique représente effectivement des champs énergétiques autour du vivant, tous les champs énergétiques autour du vivant. Ce sont des champs qu'on n'arrive pas tout à fait à déterminer. On ne sait pas exactement encore de quoi il s'agit, même s'il s'agit d'un phénomène électromagnétique. Et ils sont captés de manière tout à fait spontanée dans le noir absolu, avec un négatif et la plante simplement posée sur le négatif. L'induction se fait par machine, on induit un courant qui suscite en quelque sorte une réponse de la plante. Alors c'est à la fois un phénomène de résonance et de réponse. Et ce que j'ai découvert était surprenant. J'ai découvert des images miroirs du cosmos en fait, des constellations, des trous noirs, des étoiles filantes. C'était absolument extraordinaire et tout ça était contenu simplement dans le champ lumineux existant. On arrive aujourd'hui à un moment critique dans l'histoire de l'humanité où, me semble-t-il, tous les éléments de la connaissance doivent converger vers une véritable connaissance de la personne qui n'est plus celle qu'on avait alors qu'on était axé sur la matière seule. Ça n'est plus un nous ne sommes pas seulement un ensemble d'organes, un ensemble de virus, un ensemble de bactéries, même si ces choses sont fascinantes parce qu'elles vont vers le très petit, mais nous sommes aussi des corps qui diffusons la lumière et qui diffusons l'information à travers nos champs énergétiques. Et qui sait, probablement parce qu'on cherche encore toujours à savoir quel est ce grand champ organisateur, les physiciens achoppent sur la question depuis de nombreuses années. Mais ce grand champ organisateur, c'est certainement un champ d'information, d'échange, etc. Maintenant, de quelle nature est-il? Est-ce que c'est de nature électromagnétique, de toute autre nature? On ne le sait pas. Mais en même temps, je crois qu'il y a quand même un désir à ce niveau-là de faire converger les connaissances, les intuitions, pour arriver à une description cohérente de l'univers qui corresponde réellement à nos expériences de ce 21e siècle.